Je vais te présenter Jean-François Petit, un confrère de la Nostra Associationiste en France, qui a été motorul, qui a pus piciorul pe accelerator atunci când a trebuit să plecăm în această aventură a organizării simpozionului. Și el vine și ne propune tot așa o temă cu legături între Orient și Occident, și anume un personaj Nicolas Berdiaev între Orient și Occident. Jean-François este profesor de filozofie la Institutul Catolic din Paris. Jean-François, merci d'être venu et à toi la parole pour les 25 minutes prochaines. Merci à vous de votre accueil que j'apprécie beaucoup. Merci au père assomptionniste de Bucarest d'accueillir la délégation française qui est ici sur le côté. Je pense que déjà nos deux premières interventions nous ont donné des éléments de diagnostic. En écoutant la première intervention, je me disais, résonnait en moi un théologien et sociologue qui s'appelait Jacques Ellul, protestant, qui disait « la parole, elle est humiliée aujourd'hui ». Et ce que vous avez dit, cher collègue, était un peu dans ce sens. Et puis je me disais, en écoutant aussi les ressources patristiques, combien nous avons aujourd'hui à travailler à la restauration d'une culture patristique en Orient comme en Occident. Donc je serai assez bref dans l'énoncé même de ma thèse, de mon propos. Je pense que nous vivons une véritable crise de civilisation, qui est une crise métaphysique et spirituelle. Tous ces éléments-là sont importants pour moi. Crise métaphysique et spirituelle. Alors l'Académie catholique du Val-de-Seine, qui a travaillé aussi sur ces questions, vous présentera un ouvrage si vous le souhaitez. Mais je pense que nous avons vraiment, en Orient et en Occident, à restaurer des liens entre nous. Nous arrivons de Paris, nous sommes partis tôt ce matin, très tôt, et nous sommes heureux d'être là avec vous. Et je pense que c'est aussi des figures comme celle dont je vais vous parler, Nicolas Berdiaev, qui peuvent nous aider à retrouver ces liens rompus, oubliés, mais voilà, qui sont aussi des ressources. Et ces ressources, nous en avons absolument besoin pour aujourd'hui. Ce sont des ressources pour les débats contemporains que nous avons à mener au sein de la seule et unique Europe. Alors je pense que notre colloque le dira de façon très différente, avec différentes illustrations, et le choix que nous avons fait d'un colloque pluridisciplinaire, avec différents types d'interventions, marque aussi notre volonté de nous insérer dans un contexte large, un contexte ouvert. Et c'est peut-être de cette façon-là que nous travaillons le mieux ici dans ce qui était le centre de cette grande histoire de l'Institut français d'études byzantines. Alors je vais vous parler spécifiquement d'un philosophe qui me semble, philosophe, théologien, penseur, qui à lui tout seul me semble reprendre, résumer et approfondir ces liens entre Orient et Occident, c'est Nicolas Berdiaev. Pourquoi lui ? Bien parce que d'abord en France, nous venons de le redécouvrir à l'occasion de la publication des carnets d'un philosophe français qui s'appelait Emmanuel Mounier, qui est mort en 1950 et qui était un des fondateurs du personnalisme. Or, ce jeune philosophe, en 1920, va s'appuyer beaucoup sur ce russe émigré qui est passé par Berlin et qui s'appelle Nicolas Berdiaev. Quand Mounier a 20 ans, Berdiaev en a déjà 50 et c'est déjà quelqu'un qui compte au niveau du paysage culturel européen. Pourquoi est-ce qu'il compte ? Parce que je vais vous dire quelques-unes de ses interlocutions. C'est quelqu'un qui s'est formé en Allemagne, originaire de l'Ukraine, de Kiev, qui a connu la révolution russe, qui maîtrise parfaitement les philosophies de Hegel, de Kant, qui est totalement imprégné de la tradition théologique et spirituelle des grands penseurs, des confesseurs, etc.
qui connaît toute la littérature russe, Dostoïevski, Tolstoï, etc., etc., et qui, voilà aussi l'ironie de l'histoire, traverse toute l'Europe à la faveur des déchirements de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il est expulsé de la jeune Union soviétique, enfin de la révolution russe, alors que c'était quelqu'un qui commençait à avoir de l'importance et qui se considérait comme penseur libre. Donc en 1922, Lénine, tout un tas d'intellectuels, il les bannit, il les chasse. Et donc il va se retrouver d'abord à Berlin, mais c'est en France qu'il développe le mieux ce qu'il est. Il mourra en 1948, et c'est quelqu'un qui va compter énormément pour aider à faire comprendre peut-être les impasses, les difficultés aussi de l'Orient et de l'Occident. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir. En France, à cette époque-là, on est dans les années 30 à peu près, il y a différents cercles d'influence. On parlera notamment d'un philosophe catholique qui s'appelait Jacques Maritain, rénovateur du thomisme, qui joue un rôle très conséquent vis-à-vis de tous les milieux culturels, chrétiens ou non chrétiens. Mais on oublie souvent d'autres penseurs, par exemple Gabriel Marcel, un des fondateurs de l'existentialisme, ou, plus spécifiquement, ici, Berdiaev. Et Berdiaev, c'est une figure tout à fait intéressante, tout à fait importante, dont Mounier dresse un portrait très flatteur à sa mort, mais aussi que Berdiaev a beaucoup encouragé à la fondation de cette revue qui existe toujours en France, une revue internationale, qui s'appelle Esprit. Cette revue va avoir un grand rayonnement dans toute l'Europe. Vous voyez, le sens de mon propos, c'est aussi, et je le redis, de restaurer des liens rompus entre Orient et Occident, entre les deux parties de la seule et unique Europe. Il se trouve que spécifiquement sur ce thème, Berdiaev intervient en France en 1930, dans ce qu'on appelle à l'époque le studio franco-russe. C'est une période qui ne va pas durer très longtemps, c'est une période entre 1929 et 1931, à l'initiative, à Paris, d'un ancien journaliste qui était aussi officier de l'armée russe et qui veut favoriser justement ce dialogue. C'est une expérience qui ne va pas durer très longtemps parce que ce journaliste qui s'appelle Fox, qui se fait appeler Vogt, va en fait devenir moine orthodoxe à Damas, et donc l'expérience tourne court. Mais c'est une expérience aussi qui va avoir beaucoup d'importance parce qu'elle se situe dans la veine très forte d'un grand penseur qui joue un rôle très conséquent en France, en tout cas qui s'appelle Charles Péguy. À cette époque-là, dans les années 30, beaucoup de gens se réfèrent au poète, philosophe, inspiré par Bergson, bon connaisseur de Descartes, lui-même développant une grande activité, qui s'appelait Charles Péguy, qui est mort en 1914, les premiers jours de la Première Guerre mondiale. Alors donc Berdiaev, dans ce studio franco-russe, fait une conférence tout à fait importante pour notre propos, que je voudrais reprendre ici en la commentant, pour faire concret. Berdiaev commence sa conférence en présentant ce qu'il appelle deux types psychiques d'hommes, de nationalité, de culture, l'Orient et l'Occident. Voilà ce qu'il dit. C'est son propos, mais il me plaît de le citer. Il dira que d'un côté, peut-être que les premiers types psychiques d'hommes sont centrés d'abord sur une façon concrète d'avancer dans les questions, les autres peut-être plus dans une façon abstraite. Il y a peut-être une façon d'aborder les questions qui sont liées à l'Occident et puis une façon qui est liée à l'Orient. C'est une présentation qu'on appellerait en sociologie idéal typique. Il n'entend pas montrer des catégories absolues. Il entend surtout montrer comment fonctionne un certain mouvement de l'esprit. Et Berdiaev estime avoir un rôle spécifique, à savoir révéler à l'Occident une partie de ses impensées. Pourquoi est-ce que l'Occident, tellement marqué par le rationalisme cartésien, bute sur un certain nombre de difficultés, n'arrive pas à une compréhension cosmologique du monde,
comme en Orient, lui qui est évidemment très marqué par la pensée eschatologique, mais aussi comment est-ce que l'Orient, parfois sombre dans une forme de mysticisme qui ne l'aide pas à avancer concrètement. Et sa position est une position tout à fait intéressante. Je le cite. La civilisation méditerranéenne qu'on oppose à l'Orient a bien des fois subi son influence. Sans une coactivité avec l'Orient, qui fut toujours en même temps une lutte, elle n'aurait pu exister. Donc voilà une position qui me semble tout à fait importante et tout à fait intéressante. Nous ne pouvons pas passer l'Orient sans l'Occident et l'Occident sans l'Orient. Et je pense que d'un point de vue interculturel, qui m'importe aussi ce soir, c'est le caractère antagonique de toute civilisation qu'il montre. C'est-à-dire, nos civilisations sont faites de ruptures, d'intégration, de combats, d'échanges, de tensions. Et donc, à cette époque, il est tout à fait important que quelqu'un comme Berdiaev montre, contrairement à certains grands penseurs de la Sorbonne, je pense notamment à Léon Braunschweig, qu'il n'y a pas une histoire du rationalisme occidental qui progresserait comme par magie. Il y a des heurts, il y a des contre-coups, il y a des retours. Et il est tout à fait contemporain d'une redécouverte, en France en tout cas, et peut-être plus dans d'autres pays, des sources grecques. Sans avoir ce retour sur nos sources, et pas simplement patristique, c'est une période où on traduit beaucoup Plotin, où on traduit beaucoup Platon, Berdiaev rencontre effectivement un vrai succès dans la présentation de ses analyses. Donc les impensés du rationalisme d'un côté, et d'autre côté peut-être les difficultés d'une certaine pensée tournée vers la mystique. En fait, ce qu'il essaie de montrer, c'est que une conception orientale et une conception occidentale du monde sont appelées à se rejoindre. Et il a fait une grande analyse historique, et c'est souvent ce qui nous manque aujourd'hui, pour essayer de comprendre les bifurcations, pour essayer de comprendre les impasses. Par exemple, il essaie de montrer que le Moyen-Âge n'a pas été que chrétien, que la circulation des idées se faisait dans toute l'Europe, mais que l'Europe n'était pas que chrétien. Et à ce moment-là, même quelqu'un qui est un néotomiste comme Gilson, essaie de montrer que, oui, il y a eu des influences arabes, et que nous connaissons aussi des gens comme Aristote par Averroès. En fait, il y a une bifurcation qui s'opère à la Renaissance. Et c'est vrai que Berdiaev explique, parfois de façon un peu compliquée, un peu polémique, la concurrence qu'il y a pu y avoir à la Renaissance dans les visions du monde. Et tout son travail, c'est peut-être d'essayer de retrouver ce qui s'est passé avant ces séparations, qu'il juge évidemment néfastes pour les uns et pour les autres. Et une des séparations qu'il est obligé d'assumer de façon très très forte, c'est la séparation beaucoup plus contemporaine pour lui de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a vu des tensions exacerbées alors qu'elles n'auraient pas eu lieu d'être. Donc il plaide déjà, et c'est très très nouveau pour l'époque, pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un mouvement universel de la culture, une mondialisation des cultures. Il dira, il faut se révolter contre des cultures autarchiques, on pourrait dire autarciques aujourd'hui, et particularistes. Une culture qui se renferme sur elle-même est vouée à la mort. Et ça, il le dit tout à fait sans défendre un universalisme qui serait, comme on dirait aujourd'hui, abrasif, qui couperait tout. Non, il est attentif au langage, et il montre souvent que nous parlons de façon beaucoup trop abstraite. Il n'y a pas un Orient mythique et un Occident mythique, il faut parler de façon concrète. Et il conteste son propre camp. Il conteste, par exemple, les slavophiles russes, disant, vous n'avez pas la lumière sur l'ensemble du monde. Et il essaie de voir aussi que même ceux qui se présentent occidentalistes, du côté slavophile, il y a les slavophiles d'un côté et les occidentalistes de l'autre, sont dans une tension faussée.
Donc il montre bien que ce n'est pas uniquement de cette façon-là qu'il faut envisager les choses. En fait, on dirait aujourd'hui qu'il est déjà ouvert à la pluralité des cultures. Donc il étudie beaucoup ce qu'on appellerait aujourd'hui les stéréotypes, les représentations. Et nous avons tous des clichés les uns sur les autres. La culture française par rapport à la culture allemande, la culture russe par rapport à la culture allemande, etc., etc. Et lui, il dira tout simplement, je le cite, « Le monde de l'Orient doit communier à l'expérience humaniste de l'Occident. » Le monde de l'Orient doit communier à l'expérience humaniste de l'Occident. Ça ne veut pas dire tout accepter, bien entendu, ça veut dire faire le discernement critique et garder une certaine vigilance. Mais il en donne des illustrations tout à fait importantes pour aujourd'hui. Il cite notamment le théologien et philosophe liturge Romano Guardini. Romano Guardini, tout imprégné de la culture occidentale, dit « La liturgie occidentale retrouvera une fécondité quand elle repuisera dans sa forme orientale. » N'oubliez ça parfois de Romano Guardini. Bien, en fait, Berdiaev préfère montrer des accentuations. Des accentuations. Il y a peut-être une partie qui était plus prise en charge, par exemple la partie patristique, c'était excellemment montré tout à l'heure, ou une partie plus d'analyse. Donc, Berdiaev essaie de montrer qu'il y a, pour les uns et pour les autres, à entamer un dialogue qui soit véritablement une révélation. Une révélation. Une révélation de ce que les uns et les autres ont peut-être en creux et n'arrivent pas à montrer. Je vous rappelle qu'en France, à cette époque-là, certains, notamment certains intellectuels, sont totalement fascinés par l'expérience communiste. Ça paraît totalement anachronique aujourd'hui, mais les grands, Gide et d'autres, vont faire beaucoup de chemin pour se rendre compte que le communisme magnifique qu'on leur présente, c'est un communisme de carton-pâte. Et Berdiaev aide à comprendre qu'il y a une séduction marxiste qui n'a pas lieu d'être. Le premier article qu'il va publier dans la revue Esprit en 1932, c'est « Vérité, mensonge du communisme ». Je ne veux pas dire que si on l'avait écouté plus, on se serait épargné un certain nombre de fardeaux d'histoire. Mais quand même, les avertissements étaient donnés. Et ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ces avertissements, on n'en a pas tenu compte. Une des analyses qui vient de Berdiaev, c'est qu'il y a une véritable fascination, une séduction et une entreprise de chantage vis-à-vis d'un certain nombre d'intellectuels occidentaux qui n'avaient pas compris la réalité de la partie orientale. Un chantage, c'est-à-dire soit vous adhérez au communisme qui va permettre de faire le progrès pour tous, soit vous êtes vraiment dans la réaction. Et cette assimilation du fascisme et du communisme a été catastrophique, parce que les deux ne relevaient pas du tout des mêmes modalités, des mêmes spécificités, des mêmes mécanismes. Hannah Arendt l'a parfaitement montré, la philosophe Hannah Arendt. Donc, Berdiaev ne défend pas un point de vue culturaliste ou anticulturaliste. Il essaie plutôt de penser, et ça je pense aussi que ici vous êtes très intéressé par cette perspective, une source indivise. Pour savoir où nous allons, il faut savoir d'où nous venons. Et participer à une destinée commune, mais pas en faisant tabula rasa, mais bien en mettant en œuvre un processus d'anamnèse de nos sources communes. Alors, ce n'est pas simplement les sources qui intéressent Berdiaev. C'est aussi le but. C'est un penseur de l'eschatologie. Et ça, c'est sans doute pas simplement au plan politique. Nous aurons une intervention sur ce sujet. Je pense qu'on doit penser aujourd'hui l'eschatologie. L'eschatologie, c'est vers quelle fin nous sommes appelés. Comment est-ce que nous sommes capables de penser notre monde en fonction d'une révélation ultime? Or, on doit bien dire que cet horizon-là est singulièrement bouché pour beaucoup. Mais sans ce dynamisme d'une vie transcendante, incarnée aussi dans une vie collective, bien entendu, sans les deux, l'aspiration que nous portons tous à l'infini, à l'illimité, est comme bouchée. Or, qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui?
Nous prenons les choses tellement à ras de terre que nous avons perdu le sens du ciel. C'est tellement évident. Et donc nous nous enlisons, malheureusement, dans certains cas, dans des dialogues qui sont vraiment de peu de portée, de peu d'ampleur. Il ne faut jamais oublier que, c'est sa particularité aussi, Berdiaev était petit-fils d'une comtesse française. Un russe qui avait du sang mêlé, comme on dirait aujourd'hui. Et ce penseur n'a pas confondu les choses. Il a dénoncé aussi bien, d'ailleurs il a été expulsé, les difficultés de la révolution russe, alors qu'au départ il était plutôt favorable à une évolution de la situation, que les impasses d'une culture occidentale. Donc on peut comprendre que cette analyse dans les années 1930 ait intéressé beaucoup. Elle a intéressé beaucoup en France parce qu'elle était vraiment source de renouvellement, d'une meilleure compréhension d'un monde qui échappait. Et le drame, c'est que les choses, après, ont été définitivement enterrées. Or, vraiment, l'idéal ici, qui me semble avoir été celui du chrétien Berdiaev, qui se pensait d'abord comme libre dans l'orthodoxie, mais qui était un véritable penseur marqué par l'orthodoxie, c'est de saisir la destination intrinsèque du monde. Et sans avoir ce niveau d'exigence, sans faire aussi retour à cette période, après laquelle les choses se sont malheureusement figées, cristallisées, nous ne réussirons pas à avancer ensemble à l'Est comme à l'Ouest. Un jeune philosophe français qui s'appelle Jean Vieulac développe aujourd'hui ce qu'il appelle une apocalyptique de la vérité. Et son apocalyptique de la vérité est basée sur une conception qu'on va qualifier de pré-cartésienne de la théologie. Descartes, vous savez, dans ses méditations métaphysiques, a été très prudent. En disant, la théologie peut être source de conflits, donc n'en parlons pas trop. Ben je crois au contraire qu'aujourd'hui en Europe, nous avons besoin de parler de questions théologiques. Nous avons besoin de parler de notre compréhension de la foi. Nous avons besoin de voir la richesse et la variété aussi de nos approches. C'est bien le sens de ce colloque aussi, qui se situe en grande partie un peu avant la visite du pape François dans votre pays. Sans un travail un peu conséquent sur les sources de l'unité, nous ne pourrons pas avancer. Et la crise spirituelle et métaphysique que nous traversons n'aura pas d'issue. Je conclurai en disant simplement, il n'y a pas d'un côté les contemplatifs et de l'autre les actifs. Ceux qui seraient voués à la théorie et puis ceux qui seraient, comme on dit en français, les mains dans le cambouis. Il y a des hommes et des femmes qui autour de nous cherchent, qui travaillent, et tout ce qui peut aujourd'hui favoriser un dialogue interconvictionnel, interculturel, interspirituel, interreligieux est absolument nécessaire. On va le dire pour conclure une phrase forte, soit nous avançons dans un chemin de dialogue ensemble, soit nous périrons tous, chacun de notre côté. Merci Jean-François. Nous avons besoin, dans cette partie de l'Europe, d'entendre des paroles comme ça venues de l'Occident, qui représente un théologien, un penseur qui est sorti de l'Orient. Mulțumim din suflet pentru aceste reflexii, care, într-adevăr, merg la suflet. Nu știu dacă